Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Sanofi, le géant pharmaceutique, et Regeneron Pharmaceutical ont indiqué qu'ils mettront un terme à leur collaboration concernant la découverte de nouveaux anticorps d'ici fin 2017. Les analystes de l'OPSA sont baissiers sur la valeur et visent des cibles à 79 et 73,40 euros. Seconde valeur d'actualité Solvay, le groupe a vu la perspective de sa note BAA2 être relevée par Moody's à stable contre négatif. Négatif précédemment, compte tenu de l'amélioration des résultats du groupe de chimie. Les analystes de l'OPSA sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 131 et 135 euros. Du côté de la stratégie du jour maintenant, nous nous intéressons à BMW. Le titre a cassé la borne basse d'un canal de consolidation. De plus, les cours sont coiffés à la fois par une ligne de tendance baissière et par la moyenne mobile simple à 50 séances. Sous 84 euros, visé 74,80 euros et 72,20 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le warrant put 0308T émis par UniCredit de prix d'exercice à 80 euros et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. Le mouvement de consolidation globale engagé depuis le 8 mai dernier ne remet pas en cause notre biais haussier sur l'indice. En effet, le trou de cotation positif du 24 avril 2017 n'a pas été clôturé, seulement partiellement comblé. Ce gap continue de jouer un rôle de soutien. Notons également que l'indicateur de vitesse RSI pourrait valider une figure de renversement haussière en tête et épaule inversée. Ainsi, tant que les cours se maintiennent au-dessus de 5059 points, nous privilégions le scénario d'une hausse vers 5210 points, seuil d'accélération, et 5315 points en extension. À cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le warrant call 5160T émis par UniCredit de prix d'exercice à 5200 points et de maturité au 19 janvier 2018. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez un très bon week-end et à la semaine prochaine.